Alors on y va, la 18, 3ème. Allons, la 5. Alors on envoie la 19 sur le pas. Donc là, je vais vous préparer un caviar d'aubergine au coulis de tomate. Donc nous prenons ces belles aubergines que nous allons fendre dans le sens à longueur en deux, que nous installons dans le plat. Nous assaisonnons les aubergines de sel et de poivre. Nous les recouvrons de tomates. On fait bien détacher les oignons. Voilà. On va parsemer de thym, d'huile d'olive. Et voilà, le plat est prêt à cuire. Nous allons le cuire au thermostat 7 pendant 1h30. Donc maintenant, nous allons procéder au coulis de tomates, qui sera donc la garniture du caviar d'aubergine. Donc nous prenons ces tomates. Nous les préparons. Nous allons les émonder. Alors bien entendu, quand on dit le terme émonder pour une tomate, c'est une minute dans l'eau bouillante, quoi. Il ne faut pas que la tomate cuise, surtout pas. C'est uniquement pour retirer la peau. Parce que si on la laisse trop longtemps, après ça cuit la tomate et ça n'a plus le même goût. Si la tomate n'a pas de goût, c'est pas parce que c'est l'oiseau qui va faire le coulis de tomate qui sera meilleur. Au départ, c'est la tomate qui est importante. Il faut que la tomate ait du goût, qu'elle soit bien mûre, bien juteuse, savoureuse. Et ensuite, nous les passerons au robot. Voilà, donc maintenant, nous retirons le coulis de tomate et nous allons le passer au chinois pour vraiment avoir plus que la pupe, la pupe, la pupe. Vous voyez, à l'aide de la petite louche, on vanne à l'intérieur du chinois et on ressort uniquement la pulpe du chinois, vous voyez. Et les moindres particules que j'aurais pu oublier ou qui seraient dans le robot sont obligatoirement dans le chinois pour avoir un coulis complètement pur. Alors maintenant, ce coulis de tomate là, eh ben on va le faire éclater en bouche. Donc on va lui apporter une superbe huile d'olive parce que l'huile d'olive se marie merveilleusement avec la tomate. Et on y amènera la pointe d'agressivité, toujours bien entendu, par la pointe de vinaigre. Parce que pour moi, dans la cuisine, ce qui fait la différence, c'est des petits détails. C'est la pointe de vinaigre, la pointe de citron, la pointe de gros sel au moment, qui fait la différence dans un plat. Des fois, on dit ce plat est bon, mais il manque quelque chose. Et le petit quelque chose, c'est ça. C'est une pointe de vinaigre, c'est une pointe de citron. C'est ça qui fait la différence. Maintenant, on goûte. Je dis toujours, on ne peut jamais faire cuisine si on ne goûte pas tout ce qu'on fait. Comment voulez-vous qu'on sache si c'est trop salé, poivré? Il faut toujours goûter. Je dis toujours à mes cuisiniers, goûtez ce que vous faites. Voilà, là c'est parfait. Là c'est l'assaisonnement parfait. Une fois que les aubergines sont cuites, avec l'aide d'une cuillère, on a vidé les aubergines. Voilà, et donc cette brunoise des peaux d'aubergine, nous allons les incorporer dans la mousse d'aubergine. Voilà. Vous voyez, avec la consistance, juste à souhait. Bien entendu, il n'intervient pas de crème là-dedans, c'est la nature dans l'assiette. Alors là, on passe à la finition du plat. Donc là, on dresse à l'aide d'un cercle, vous voyez. Voilà. Et avec notre superbe coulis, nous nappons autour de l'assiette. Et nous terminons avec le basilic vert et le basilic violet. Voilà. Et là, nous avons un très joli plat d'entrée, qui est le caviar d'aubergine au coulis de tomates frais. Donc maintenant, nous allons refaire une cuisine de terroir bourguignon, revue et corrigée par aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens n'aiment plus la cuisine riche et lourde qu'on entend, et ils veulent aujourd'hui une cuisine saine, savoureuse et pas trop lourde. Donc nous allons refaire la recette des œufs en meurette. Alors les œufs en meurette, c'était toujours fait avec des vins qui étaient cuits, recuits, avec des liaisons à la farine. Et donc aujourd'hui, nous avons apporté une liaison avec une base de purée de carottes. Donc voici les carottes, voici les oignons pour faire la fondue d'oignons, le lard, demi-sel, qui a été donc d'abord dessalé une nuit entière, qui a été cuit pendant 4-5 heures pour obtenir ce lard-là, qui est donc dessalé et qui est maigre. Et ensuite, nous avons donc une réduction de vin, qui est un vin de Côte-du-Rhône, de la Syrah. C'est des vins qui sont très riches, très tanniques, que nous allons faire réduire, à laquelle nous allons incorporer une purée de carottes dedans. Pourquoi de la purée de carottes? Parce que la purée de carottes, elle est sucrée et elle va donc atténuer l'acidité du vin. Et au niveau de la carotte elle-même, elle va servir de liant, ce qui évitera de mettre de la farine ou de la maïzena ou je ne sais quelconque chose qui, à mon avis, devient indigeste dans la cuisine française aujourd'hui. Voilà, nous passons à l'épluchage des carottes à l'aide d'un économe.
Vous voyez, quand on dit que les grands chefs ne font plus la cuisine, on n'a quand même pas perdu la main, là encore, on est toujours là, on s'en sort quand même pas mal encore. Voilà ce qui est des carottes. Maintenant, on va passer aux oignons. Il faut bien enlever les... Même la première peau, là, qui est là, il faut l'enlever. Mais il faut même enlever la deuxième aussi. Parce qu'elle est quand même, elle donne un peu une petite goutte d'amertume. Vous voyez, regardez, une deuxième peau que je retire aussi. Très important, parce que ça donne un peu d'amertume. Voilà. Donc les carottes, on les coupe grossièrement, hein, puisqu'on va en faire une purée. Hein. Voilà, on les coupe en 3-4 morceaux. Et on va les mettre dans de l'eau salée pendant environ 40-45 minutes pour vraiment obtenir une purée de carottes qu'on passera au robot coupe. On obtiendra donc cette purée de carottes qui servira de liant au vin rouge. Et ensuite, on y passera au chinois fin et cette purée de carottes disparaîtra. Et elle va apporter ce goût de douceur au vin, mais on ne pourra pas s'en rendre compte. On aura toujours ce vin qui sera sublimé. On va émincer les oignons. Et avec ça, on va en faire une fondue d'oignons. Alors voilà, toujours bien entendu, défaire tous ces oignons, vous voyez, pour qu'ils viennent en filament. Et avec ça, nous allons en faire une compote. On va mettre de l'huile et du beurre dans une casserole et on va faire une compote d'oignons. Et qui après sera amenée à la fin sur la garniture de l'œuf en beurrette. Voilà, voilà donc le lard cuit, donc nous allons retirer la couenne. Et en faire de fines lamelles que nous poilerons après, que nous amènerons en garniture à la fin. Et quand ça va être bien poilé, ça va être craquant en bouche et ça va apporter un plus au plat. Voilà. Voilà, et maintenant nous allons mettre ça au coin du feu et en faire une compote. Nous mettons nos carottes à cuire dans de l'eau bouillante salée. Voilà, et c'est reparti aussi pour 40 à 50 minutes. Alors donc pour cette recette des œufs, ce qui est très important, c'est la qualité des œufs. Alors vous comprenez, moi dans mon Morvan, j'ai tous les paysans qui m'amènent tous les matins les œufs du cul de la poule. Donc je ne vais pas me tromper, c'est la fraîcheur exemplaire. Mais dans les grandes villes, quand vous achetez vos œufs, exigez-les les plus frais possibles. Parce que pour faire cette recette, c'est très compliqué au niveau du galbe de l'œuf. C'est-à-dire que vous mettez de l'eau vinaigrée à bouillir. Quand votre eau vinaigrée bout, vous jetez votre œuf qui est cassé individuellement dans un pochoir, que vous jetez délicatement dans l'eau vinaigrée bouillante. Et normalement, immédiatement, le blanc va se recouvrir sur le jaune et former ce petit ballon de rugby. Et c'est là qu'on jugera la fraîcheur de l'œuf. Et avec l'aide d'une écumoire, on peut aider aussi le blanc à recouvrir le jaune. Mais normalement, ça se recouvre tout seul. Et là, vous avez la perfection d'un œuf frais. Sinon, s'il s'écrase entièrement un peu comme une omelette, on dit « le crémier nous a pas vendu un œuf frais ». Et vous remarquerez que nous, tout ce qu'on fait en cuisine qui a contact avec les graisses est immédiatement égoutté dans du papier absorbant pour retirer toutes les graisses, absolument toutes les graisses. Donc, bien entendu, quand on dit l'oiseau, c'est la cuisine à l'eau. Mais je vais vous dire une chose, le beurre est indispensable, le beurre et l'huile, pour faire la cuisine. Mais si vous préférez, pour amener ce côté caramel, ce côté goûteux d'un produit, le beurre et l'huile est indispensable. Mais après, on l'élimine, on le retire. Et après, vient ces liaisons à base de déglaçage à l'eau, de purée de légumes, de déglaçage au citron, de déglaçage au vinaigre. Voilà, maintenant on égoutte le lard pour retirer bien comme il faut toutes les graisses. Donc voilà ma réduction de vin. J'ai bien dit donc de la Syrah. Qui est la Syrah? La Syrah, c'est le cépage des Côtes du Rhône, vous voyez? C'est les vins du midi, les vins qui chantent. Regardez comme c'est couleur sang, vous voyez? Et c'est avec ces sauces, à mon avis, qu'avec ces vins-là qu'on fait les meilleures sauces. Donc vous avez la sauce qui est là, réduction. Donc là, elle est trop liquide, donc il faut lui amener un liant. Alors le liant, le voilà, c'est la purée de carottes. Une bonne cuillère à soupe de carottes. Vous voyez? Et nous l'incorporons avec l'aide d'un fouet. Voilà, là on voit tout de suite qu'elle prend épaisseur, voilà,
et la carotte empêchera de faire trancher la sauce, parce qu'on aurait incorporé le beurre comme ça dans le vin, ça aurait absolument viré, tout serait désagrégé. Voilà. Et vous avez bien entendu cette couleur, la couleur du vin. Dans le temps, quand on faisait des œufs en meurette, la sauce était toute noire. Et c'était pourquoi ? Parce que c'était des sauces qui étaient cuites, recuites, qui avaient 3-4 jours, et qui automatiquement étaient, à mon avis, malsaines pour la digestion. On rectifie l'assaisonnement avec sel et poivre du moulin. Voilà. On remélange le tout. Voilà, nous avons ce côté vineux, acide, mais légèrement sucré, et qui avec l'œuf et la fondue d'oignon va se faire un mariage total. Parce que la fondue d'oignon est aussi sucrée, et viendra finir d'atténuer la pointe d'acidité tout en laissant un peu. La cuisine, tout est dans le dosage. Donc voilà donc l'eau vinaigrée, et nous allons délicatement déposer les œufs dedans, voilà. Donc nous les retirons de l'eau vinaigrée pour les mettre dans de l'eau chaude non vinaigrée, pour enlever ce goût de vinaigre à l'œuf. Et ensuite, nous allons les ébarber. Alors, dire ébarber, c'est d'enlever tout le complément du blanc qui se trouve autour de la poche de l'œuf. Voilà, nous passons à la finition du plat. Donc, nous avons notre compote d'oignon, vous voyez, qui est superbe, qui est blonde, et que nous déposons au centre de l'assiette. Ensuite, la sauce que nous mettons autour des oignons. Voilà. Nous déposons le lard sur les oignons. Voilà. Et Patrick est donc en train d'ébarber les œufs. Voilà, il retire l'excédent du blanc. Et voilà ce que je vous expliquais tout à l'heure, la forme de l'œuf magnifiquement galbé. Et nous venons le déposer délicatement sur le vin. Voilà, je n'en mets que deux. Et voici donc les œufs en meurette revus et corrigés façon Côte d'Or. Et comme dessert original, nous allons faire les pommes rôties au coulis de pommes vertes qui apportera l'acidité au plat par rapport à la caramélisation de cette pomme et une glace à la cannelle. Donc nous passons à l'épluchage des pommes. Vous voyez des pommes juteuses, savoureuses. Retirons bien les pépins au centre de la pomme. Voilà. Et là, nous allons faire des beaux quartiers, vous voyez. Assez épais, pour qu'on puisse bien les caraméliser dans du beurre avec du sucre. Et si c'est trop fin, quand ça va dorer à l'intérieur, ça sera sec et ça ne sera pas bon. Donc, tout est aussi, comme je disais, dans le dosage et l'épaisseur. Donc là, cette pomme, avec cette épaisseur-là, sera parfaite, parce que quand on va pouvoir la passer au beurre avec du sucre, elle aura le temps de caraméliser dessus sur les deux faces et de rester moelleuse avec son jus à l'intérieur. Quant aux pommes vertes, nous ne les épluchons pas, on retire simplement les pétoncules et on la coupe grossièrement comme ça, entièrement. Et cette pomme verte va passer avec la peau, les pépins, tout, dans la centrifugeuse, où on ne retiendra que le jus de la pomme verte. Et ce jus, on va même encore lui apporter une acidité en plus avec un filet de citron dedans. Parce que ce côté caramélisé et sucré va venir se mélanger avec ce côté acide de la pomme verte et la fraîcheur de la glace cannelle qui, cette épice de cannelle, apporte à la pomme. Donc là, ne sort que le jus de la pomme verte, c'est-à-dire la quintessence du goût. Vous savez qu'aujourd'hui, la centrifugeuse prend une grande importance pour moi dans la cuisine parce que c'est là où on peut avoir toute la concentration des jus. Donc on peut avoir un jus de pomme verte, on peut avoir même un jus de persil. Nous, les queues de persil, on les passe à la centrifugeuse. Et le peu d'eau qui ressort de la queue de persil, on le mélange à une purée de persil pour faire la quintessence de la saveur. Voilà, donc maintenant, nous avons mis du beurre dans une poêle qui vient d'être fondue. Vous voyez, là, il est juste blond à souhait. Et nous y incorporons nos pommes.
pour les faire bien caraméliser, comme je vous l'ai dit, sur les deux faces. Donc voilà, nous les mettons dans notre beurre. Nous allons parsemer de sucre dessus pour pouvoir les faire caraméliser avec le beurre. Et nous les mettons en chauffe. Voilà, regardez ce côté caramel sur la pomme, si c'est superbe. Une pomme qui est bien caramélisée, juste à souhait, couleur pain grillé. C'est parfait. Et maintenant, nous retournons les redorer sur l'autre face. Donc à peu près, ça dure à peu près 3-4 minutes, c'est-à-dire avec un gaz chaud, ni trop chaud non plus, parce qu'il ne faut pas que le beurre brûle. Toujours dans le dosage. Voilà, maintenant nous passons à la finition du plat. Par donc notre coulis de pommes vertes. Voilà. Alors bien entendu, frais, hein, pas chaud. Hein, voilà. Bien frais, il vient juste de sortir du frigo. Ensuite, nous installons délicatement nos pommes. Bonjour la chaleur. Voilà. Et ensuite, parce que moi je suis très amateur de plats de fraîcheur, de mariage de chaud, d'acide, de frais en bouche. Et donc nous terminons avec de la glace cannelle. Donc voici la glace cannelle. Alors pour les amateurs avertis, ils peuvent la faire eux-mêmes. Nous partons sur la base d'une crème anglaise où nous faisons infuser les bâtons de cannelle dans la crème anglaise, que nous passons au chinois et que nous vannons avec les œufs. Vous savez, donc quand on a la spatule et qu'on met à l'intérieur et qu'on fait avec le doigt comme ça, vous voyez, il ne faut jamais que la crème superpose la traînée de votre doigt, ce qui fait la cuisson d'une crème anglaise. Et voilà. Et vous avez donc là les pommes rôties chaudes, au coulis de pommes vertes froid et glace cannelle. J'ai commencé mon apprentissage chez les frères Trois Gros à l'âge de 17 ans et je me suis dit un jour j'aurai 3 étoiles, je ne sais pas pourquoi, j'aimais partout tout cette course, cette compétition. Moi je suis dans les starting blocks en permanence et puis après j'ai connu Claude Verger dans les barrières de Clichy à Paris. C'est un personnage étonnant qui m'a installé dans cette maison et qui m'a fait gagner 10 ans de ma carrière parce qu'il a pu, si vous préférez, me donner tous les moyens pour que je puisse m'exprimer et qui fait qu'aujourd'hui, dans les années 82, je lui ai racheté la maison et puis qu'après j'ai pu faire tout cet ensemble que vous voyez ici qui comporte l'hôtellerie, la restauration. C'est un havre de repos. Aujourd'hui, on ne peut plus, si vous préférez, ne donner qu'à manger aux clients. Il y a aussi en même temps, il y a tout, il y a le confort, il y a l'accueil, il y a le service. Qui fait plein de détails et qui fait cette grande différence que les gens attendent aujourd'hui. Ils attendent ça parce que c'est un rêve que les gens se payent. Depuis que le Michelin a mis 3 étoiles, ça a été l'explosion totale. D'un seul coup, il y a eu un phénomène sur cette maison qui est vraiment exceptionnel. C'est couverture du New York Times, 10 pages dans le Smithsonian, la revue du musée de Washington. C'est la une de toutes les télés. Le jour où on a eu 3 étoiles, on a fait tous les 20h, tous les 23h de toutes les chaînes de télé. Bon, aujourd'hui, c'est fini le bluff et les châteaux de cartes. Les gens veulent le retour aux vraies valeurs. C'est-à-dire qu'on arrive ici, on a cette toiture sublime de restaurant, on a ces pierres au sol, on a ces meubles qui sentent bon la cire, on a l'horloge qui fait gling-gling toutes les demi-heures. Les gens retrouvent leurs racines aujourd'hui. Ah, je me souviens, ça me rappelle les goûts de ma grand-mère, les carottes collées au fond de la casserole, ces jus qu'on sert avec le rôti de veau. C'est ça la vraie cuisine aujourd'hui. C'est-à-dire faites simple, quoi, mais avec des grands produits. Donc moi, je me mets en retrait des producteurs et puis j'essaie de leur sublimer ce produit dans l'assiette. Ah, ce lieu, c'est Bernard Loiseau. Ah, Bernard Loiseau, parce que Bernard Loiseau, il a un avantage inouï sur les autres, c'est qu'il aime, il rend la saveur au produit. C'est un homme qui, par exemple, je me rappelle avoir mangé une poularde dans un pot chez Bernard Loiseau. Tout ça sentait la campagne. Ça fait des années que je n'avais pas mangé une poularde comme ça dans un pot préparé traditionnellement. Il avait fait aussi un poisson, c'était une cendre au vin. Mais là, il y avait très peu de sauce au vin. La cendre était extraordinaire, la sauce était légère. Et puis, alors, les légumes de chez Loiseau, c'est vraiment des légumes. On retrouve la saveur des aliments. Alors, je dirais Bernard Loiseau, à ce lieu sans autre. Ah, vous pouvez employer ce terme, c'est l'orgasme dans la bouche, tout à fait. Et je dirais même, c'est un plaisir suprême pour quelqu'un comme moi. Ça, c'est pareil, un livre, c'est comme un plat. Alors, au départ, vous voyez le livre, vous dites, ah, ça, c'est beau, ça. On avance dedans, ah, on a envie de mettre le nez dedans, de sentir. Et après de déguster. Et la cuisine, c'est la même chose. Quand on vous amène un plat devant vous, vous êtes là, vous le regardez, vous dites « Ah, c'est appétissant, c'est beau, c'est bien caramélisé, c'est magnifique. » Ensuite, vous mettez le dent, vous sentez les saveurs et tout. Vous avez déjà, la tension monte là, ça monte, ça monte. Et puis après, vous prenez et « PAM !» Alors là, c'est l'explosion, quoi. Passion, c'est la cuisine, quoi. Moi, je suis là pour donner du bonheur aux autres, quoi. C'est tout. Je dis « donne du bonheur aux autres, tu doubles ton bonheur. »
Moi, je veux être le meilleur. Comme je disais, il y a 3 étoiles, il y en aurait 4, je suis déjà dans les starting blocks, moi, pour repartir derrière. Alors ça, je vous le dis sincèrement, c'est ce que je dis, pourvu que ça dure. Je dis à tous les clients, venez chez l'Oiseau aujourd'hui, vous allez faire vos meilleurs repas. Parce que moi, j'ai que ça dans la tronche. Et peut-être qu'un jour, je vais commencer à me dire, pourquoi pas aller me promener, visiter les États-Unis, commencer à jouer au golf comme les copains et tout. Et là, je serai peut-être moins bon. Mais pour l'instant, je suis au sommet, au sommet. C'est ça qui fait la différence et qui fait qu'aujourd'hui, les gens vont peut-être venir plus chez l'Oiseau qu'ailleurs.